Abdelkarim Gueye, le directeur de son assistance, est dans le viseur de la polémique suite à la mort de Marie Gueye survenue à Angor le 19 septembre dernier. La famille de la victime avait accusé la gendarmerie d'être responsable de sa mort. En réponse à ces allégations, Gueye a démenti toute responsabilité des forces de l'ordre dans un effort pour apaiser la situation. Il a révélé les résultats de l'autopsie qui indique que la cause du décès était une pancréatite aiguë, hémorragique et qu'il n'y avait aucune trace de traumatisme. Cependant, cette déclaration a suscité l'ire des professionnels de la santé, notamment le docteur Babacar Niang. Sur sa page Facebook, le docteur Niang a contesté l'assertion de Gueye affirmant qu'il était insultant pour les médecins de suggérer que Marie Gueye est morte d'une pancréatite. Il a clairement énoncé que les symptômes d'une pancréatite sont tels qu'il serait impossible pour la victime de se déplacer ou de se disputer. En outre, la famille de la victime a déclaré qu'elle porterait plainte contre X pour déterminer le responsable de la mort de Marie Gueye. Cette tragédie continue de susciter des controverses et des débats sur les circonstances entourant sa mort. Des informations supplémentaires sont attendues alors que l'enquête progresse.